Le signal wow est-il de retour? Les scientifiques ont maintenant reçu des signaux très similaires qui résolvent enfin l'énigme du plus célèbre signal extraterrestre potentiel. Ce qu'ils ont trouvé dans les dernières données d'observation du télescope d'Arecibo est absolument incroyable. Et nous clarifions si nous pouvons vraiment confirmer le contact avec des extraterrestres. Alors, restez jusqu'à la fin. Bienvenue, les amis. D'accord, les gens, ces nouvelles sur le signal wow sont vraiment incroyables. Avant d'aller plus loin, laisse un abonnement. Peut-être que je réussirai à atteindre mon objectif de 100 000 abonnements avant l'arrivée des extraterrestres. Il n'en manque plus beaucoup. L'abonnement est absolument gratuit. Tu ne manqueras plus jamais d'actualités scientifiques passionnantes. Et tu m'aideras beaucoup, merci beaucoup les gars. Le 15 août 1977 est une date spéciale pour l'astronomie. Ce jour-là, le radiotélescope Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio a reçu un signal qui a continué d'occuper la communauté scientifique jusqu'à aujourd'hui. L'astronome Jerry Emon a été tellement impressionné par le signal reçu qu'il a écrit « Wow » sur le bord de l'impression de l'ordinateur, l'heure de naissance du célèbre signal Wow. Pendant près d'un demi-siècle, le signal Wow a été considéré comme l'un des candidats les plus prometteurs pour un message de civilisation extraterrestre. Les caractéristiques du signal étaient si inhabituelles que les scientifiques n'ont tout simplement pas trouvé d'explication. Jerry Emon lui-même a déclaré « Je suis convaincu que le signal Wow » a certainement le potentiel d'être le premier signal d'une intelligence extraterrestre. Avant de discuter de la nouvelle découverte, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. De quoi s'agit-il avec le wow signal? Des extraterrestres ou une cause naturelle? Si oui, de quoi s'agit-il exactement? Écrivez-moi vos meilleures idées dans les commentaires et à la fin de la vidéo, vérifiez si vous aviez raison. Un groupe de chercheurs du Planetary Habitability Laboratory, dirigé par le professeur Abel Mendes, a en tout cas découvert des signaux similaires au WOW signal. Est-ce enfin la percée? Le contact définitif avec des extraterrestres. Les chercheurs ont utilisé pour cela les dernières données d'observation du légendaire télescope d'Arecibo, qui s'est malheureusement effondré en 2020. Avec son gigantesque miroir de 305 mètres, Arecibo était l'un des radiotélescopes les plus puissants du monde. Si tu veux, c'était l'oreille la plus aiguisée de l'humanité pour les signaux venant de l'espace. Il est donc d'autant plus regrettable qu'il ait dû prendre sa retraite astronomique après 57 ans de bons et loyaux services. Le chef de l'équipe de recherche, le professeur Mendes, explique « Nous avons eu des résultats inattendus et cela devenait de plus en plus intéressant. » Nos observations entre février et mai 2020 ont révélé des signaux similaires près de la ligne d'hydrogène, mais moins intenses que le signal WOW original. Les chercheurs ont analysé ces signaux avec précision, les ont transcrits et ont pu en effet déchiffrer un message des extraterrestres, et il est vraiment captivant. Le voici. Désolé, mais la blague s'est simplement présentée. Mais trêve de plaisanterie, les scientifiques ont trouvé plusieurs de ces signaux. Et ont pu les attribuer clairement à des nuages d'hydrogène froid. Ces nuages sont comme des armoires à glace cosmiques. Leur température est inférieure à 100 Kelvin, soit environ moins 173 degrés. Mais comment ce signal se produit-il? C'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes. Les chercheurs supposent que le signal WOW a été provoqué par un événement astrophysique rare. Un nuage d'hydrogène froid a été excité à briller soudainement par le rayonnement intense d'un magnétar ou d'un soi-disant répéteur gamma doux. Les magnétars sont un peu comme Nikola Tesla parmi les étoiles à neutrons. Ils possèdent les champs magnétiques les plus puissants connus dans l'univers. Un magnétar près de la Terre effacerait probablement toutes les cartes de crédit du monde et probablement aussi les mots de passe associés tout en détruisant la vie sur Terre. 2001. Et ce qui se passe ensuite, donc après que le nuage d'hydrogène a été stimulé et excité par le magnétar, s'appelle émission stimulée. Imagine une série de tubes au néon qui s'allument soudainement et simultanément sous l'effet d'une forte décharge électrique. C'est ainsi que les atomes d'hydrogène ont réagi aux impulsions d'énergie du magnétar et se sont ensuite déchargés de manière synchronisée dans un éclair lumineux. Le professeur Mendes explique « Le signal WOW pourrait avoir été provoqué » par un événement astrophysique unique, l'illumination soudaine d'un nuage d'hydrogène froid en raison de l'émission stimulée d'une source temporaire de rayonnement puissant. Ces événements rares pourraient que
via Norhen, on pourrait, Casino A pourrait faire en sorte que les nuages d'hydrogène soient beaucoup plus brillants pendant une courte période, ce qui explique peut-être la nature éphémère du signal WOW. Et pour être honnête, cette explication est presque aussi fascinante que l'idée d'un message extraterrestre, car la nature nous a présenté ici un tout nouvel effet physique. La largeur de bande du signal est particulièrement intéressante. Elle n'était que d'environ 10 kHz et est extrêmement étroite pour un signal naturel. Imagine que l'ensemble du spectre des radiofréquences soit une salle de concert géante. La plupart des sources astronomiques y sonneraient comme une fanfare entière jouant de façon désordonnée. En revanche, le signal de WOW ressemblait à une note minuscule, unique et parfaitement jouée sur une flûte. Il n'est pas surprenant que de nombreux astronomes aient pensé aux extraterrestres. La nouvelle explication des chercheurs montre cependant que la nature cosmique est tout à fait capable de produire de tels sons précis. Lorsque les conditions sont parfaites, les atomes d'hydrogène peuvent fonctionner comme un laser cosmique. Dans le jargon technique, on appelle cela un maser, qui signifie amplification des micro-ondes par émission stimulée de radiation. Un autre aspect passionnant est l'importance pour la recherche SETI, c'est-à-dire la recherche de civilisations extraterrestres. Le professeur Mendes souligne « Notre étude suggère que le signal WOW est probablement le premier exemple enregistré d'une émission de la ligne d'hydrogène semblable à celle de Maser. Cette hypothèse pourrait redéfinir notre compréhension de tels signaux et orienter la recherche future de vie extraterrestre. » En d'autres termes, nous avons encore appris quelque chose qui nous aide à distinguer les signaux naturels des signaux artificiels. Un autre aspect passionnant de l'étude est la distance des nuages d'hydrogène froid. Les chercheurs estiment que le nuage qui a généré le signal WOW se trouvait à une distance comprise entre 500 et 1200 années-lumière de la Terre, et cela correspond parfaitement à l'intensité du signal mesuré. Si la source avait été plus éloignée, le signal aurait dû être beaucoup plus faible. Si elle avait été plus proche, il aurait dû être encore plus fort. Et le fait que les scientifiques aient maintenant trouvé des signaux similaires, bien que plus faibles, dans les données d'Arecibo, est une véritable percée. Ils ont même pu déterminer les propriétés exactes des nuages d'hydrogène. La température est, comme déjà mentionné, de 173 degrés et la polarisation linéaire est inférieure à 10. Pour tous ceux qui n'ont jamais été très attentifs en cours de physique, ce sont exactement les propriétés que l'on pourrait attendre d'un tel effet Maser naturel, et la découverte pourrait même avoir des conséquences considérables si des nuages d'hydrogène froid peuvent être stimulés par des éruptions magnétiques à une radiation aussi intense. Le phénomène devrait également se produire dans d'autres galaxies. Avec des radiotélescopes modernes comme le Square Kilometer Array en Australie et en Afrique du Sud, nous pourrions peut-être détecter de tels signaux WOW provenant d'autres galaxies à des millions d'années-lumière. Cela nous donnerait de toutes nouvelles possibilités d'étudier la répartition de l'hydrogène froid dans l'univers. Mais il reste encore une question importante. Pourquoi le signal n'a-t-il jamais été observé à nouveau? Peut-être que c'était quelque chose d'extraterrestre. Eh bien, imaginez que vous essayez de voir un éclair frapper deux fois au même endroit. Pratiquement impossible. Il est déjà incroyablement improbable qu'un éclair frappe une fois au même endroit. Cela arrive. Oui, allez. Les conditions pour un tel événement doivent être parfaites. Un nuage d'hydrogène froid doit être frappé par une forte éruption de rayonnement et ensuite émettre le rayonnement exactement en direction de la Terre. Cela se produit probablement assez rarement. L'histoire du signal WOW montre donc une fois de plus à quel point la réalité peut être fascinante. Parfois, les véritables phénomènes de l'univers sont aussi étonnants que l'idée d'extraterrestres qui nous envoient des messages. Et qui sait, peut-être que ces civilisations intelligentes ont déjà découvert les lasers à nuages d'hydrogène comme moyen de communication, comme une sorte de courrier silencieux galactique. Peut-être que cette cause soi-disant naturelle contient un message. Et elle veut venir en paix ? Je vous tiendrai bien sûr au courant de toutes les autres découvertes sur le sujet des signaux cosmiques. Si vous ne voulez rien manquer, pensez maintenant à vous abonner à la chaîne. Et maintenant, passons des signaux cosmiques aux signaux volcaniques. Nous savons maintenant que le climat mondial a été massivement affecté par une éruption volcanique et que les effets s'étendent jusqu'en Allemagne et que nous les ressentons encore en ce moment. Si vous voulez tout savoir sur le sujet passionnant des volcans et du climat, cliquez en haut à droite et regardez la vidéo affichée. Et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Cela m'aide beaucoup et tu peux apprendre beaucoup de choses ici. Une situation gagnant-gagnant. Sinon, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir les gars.